Yo les gens, ici Rafi77250, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Retour sur Sport. On fait la GT League, donc on continue la petite GT League. Par contre, pour la nouvelle catégorie, la championnat Super Formula, je vais vous faire juste une course parce que les courses sont assez compliquées à faire. Alors moi j'ai fait une course, je suis arrivé deuxième, donc deux fois deuxième je veux dire. J'ai fait une course deux fois deuxième, j'essaie d'être premier dans cette course là. Donc moi je vous conseille de prendre la Honda SF19 Super Formula 1. Honda 2019, parce qu'en fait on a le choix entre celle-là et l'autre, donc la Toyota ou la Honda. Moi je vous conseille de prendre la Honda parce qu'elle est plus rapide, plus puissante même. Donc je vais prendre la Honda, donc en espérant dans cette vidéo je gagne la course. Et moi les autres courses je me les ferai de mon côté, et puis les prochaines vidéos ce sera une nouvelle catégorie qu'on fera, les prochaines catégories quoi, parce que je me vois pas la vidéo. Alors si je capture une vidéo et j'arrive pas, j'ai pas m'amusé à capturer 15 rushs pour y arriver à la course quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça quoi. Par contre j'essaie de mettre un truc, si on peut pas monter un petit peu les boîtes de vitesse, faire une petite boîte de vitesse un peu plus longue. Est-ce qu'on peut ou pas mettre des boîtes de vitesse plus longues? Est-ce qu'on peut ou pas? Non. Ah on peut. Puis on peut mettre 370, on va mettre 370, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc la course est assez difficile, donc faut que je me reste concentré quand même pendant toute la course quoi. Je vais éviter de pas trop parler. Donc c'est parti. La course est vraiment chaude à faire. Moi j'ai essayé tout à l'heure, je suis arrivé deuxième. Il faut vraiment pas faire aucune erreur. Si vous faites une erreur, vous pouvez relancer la course, hein, c'est foutu. Hein. Donc là déjà je perds du temps déjà. Donc par contre dans le circuit je coupe. Hein. Il y a un virage que je coupe parce que sinon je peux pas gagner la course. Hein. Ce sera pratiquement impossible de gagner la course. Sinon. Donc on va essayer de louer là. Bah là ça commence déjà mal. J'ai fait un petit travers dans l'herbe. Voilà, j'ai mal à accélérer. Hein. Alors je vais laisser peut-être la boîte de vitesse comme elle était. Ouais, du mal à réaccélérer la bagnole. Comme les rapports sont plus longs du coup. J'ai rattrapé le dernier déjà. Bah, en fait le premier c'est le plus chiant. C'est le premier pilote à réussir à rattraper. Mais il est chiant à avoir le premier. On va essayer de faire ça. Oh putain. J'ai mal géré là. Par contre, pourquoi ces 370, c'est... Elle peut même pas les atteindre, ça sert à rien en fait. C'est 350, elle va même pas à 350, regardez. La voiture a bride. C'est pas normal ça. Oh putain, mais pousse-toi, tu gênes. Ah, ils sont en train de me gêner les mecs. Ouh putain là. J'ai géré là. 8ème. On va essayer de... Premier, on va essayer dans cette course là. Bon, moi je vais faire ma victoire en vidéo, ce serait pas mal. J'aimerais gagner ma course en vidéo, ce serait pas mal. Mais vraiment la course est vraiment chaude, surtout le premier. Le premier, ça va, les autres pilotes sont pas très forts. Le premier, je sais pas ce qu'il a comme caisse, mais c'est la Honda qui est là, mais très rapide le mec quoi. Allez, casse-toi, tu gênes. Casse-toi, tu gênes. Attends, pisse pas. Oh, il a failli me faire une tête à queue là. Là, je suis sixième, c'est bien. Donc j'ai pris un skin Renault, comme vous pouvez voir. Je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, c'est un skin Renault. Pas un skin, mais c'est un livret Renault. Donc la Toyota, elle a la livrée Ferrari. Oh, bien joué. Quatrième.
On prend une Ferrari celle-là, non? Ah non, c'est normal. Allez, oh putain! Bon, elle a réussi à doubler le premier, mais là, c'est vraiment chaud. Là, maintenant, faut plus que je fasse d'erreur, quoi. Ça m'a quand même aidé de mettre la boîte de vitesse plus longue. C'est pas, ça m'a pas permis d'aller plus vite, mais... je sais pas, j'ai l'impression, quand même. Ça me permet d'aller plus vite, d'avoir une boîte plus longue. Bon après ça se conduit pas comme un F1. La conduite c'est pas la même conduite qu'avec Formule 1. Les jeux Formule 1 sont quand même conduites quand même plus, plus réalistes on va dire. Là on voit que on n'est pas dans une Formule 1 quoi. Attention, tout à l'heure c'est ici que je vous écoutais. Au dernier tour en plus pareil. Bon j'étais au dernier tour. Je faisais mon dernier tour, je fais putain c'est bon je vais gagner ma course. Au virage je me croûte la gueule, je vais dans l'herbe. Bah va-t'en rattraper l'autre après. Tant pis, je vais essayer de me concentrer là pendant la course là. Après je dis pas que c'est pas possible de gagner, ça ne coupe pas, mais on gagne vraiment du temps quoi on va dire. On gagne des secondes on va dire. Franchement, regardez le temps que j'ai d'avance pour l'instant. Donc je suis bien. C'est pas le bruit d'une Formule 1, le bruit de Formule 1 c'est pas comme ça. Oh, c'est pas méchant ça va. Juste taper le mur. C'est pas méchant. Bah là, si ça aurait été un jeu de Formule 1, je perdais ma roue. Hein. En plus, il y a ce Grand Prix là, je crois, dans Formule 1. Grand Prix du Japon, je crois qu'il existe ce Grand Prix là, je crois. Il me semble qu'il existe. Oui, c'est le Grand Prix du Japon, je crois qu'il existe. Je suis pas sûr. Hein. Dans les jeux de Formule 1, s'il y est, Suzuka. Je suis pas sûr, peut-être. Je dis peut-être une connerie. Il semble qu'il y ait, il me semble. Ok, là, c'est encore un tour à tenir. Vous voyez, les autres sont tous derrière. Hein. C'est-à-dire que je vous dis, la moindre erreur, c'est foutu. Hein. Là, on peut prendre le risque de prendre le virage à fond. Et là, il faut freiner brusque. Ouh là là. Petite erreur. Oh, ça va pas se payer. Allez, plus qu'un tour à tenir. Allez. Je vous dis, c'est pour ça que je vais pas faire toutes les courses. Hein. Parce que c'est trop tendu, les courses en Formule 1. Après, là, j'y arrive, mais... J'ai pas envie de me faire, parce que ce circuit-là, je le connais assez bien, donc ça va. Mais les circuits que je connais pas, ça va être chaud. Pour ça, je préfère vous faire qu'une course dans cette catégorie-là, et puis moi, je ferai tout le reste de mon côté. Ça va être trop chaud, sinon. On va voir ce qu'il y a après comme catégorie pour le prochain truc. À la fin de la semaine, je vais vous faire 2 vidéos par jour, si je peux. On m'a foncé dedans, l'enfoiré. C'est vrai que Formule 1, je l'ai revendu presque aussitôt. Hein. J'ai fini le jeu, en fait, j'ai fini ma carrière F1 et je l'ai revendu presque aussitôt, le jeu Formule 1. Parce que j'avais la flemme de refaire une autre saison, quoi. Après, je sais que tout ce qui est Deep Yellow, tout ça, ils font plusieurs saisons à chaque fois parce que c'est des mecs qui ont l'habitude de jouer de Formule 1 et ils font des plusieurs saisons. Ah bah là, c'est bon. Donc moi, la course, je la gagne, normalement. Ah, la 21, elle est vraiment pas mal. Hein. Vous voyez, même le bruit, c'est même pas le bruit d'une Formule 1, quoi, qu'on a un vu interne. Normalement, ça devrait le faire. Je vais gagner ma course. Si je fais pas de conneries. Ça, je vais pas prendre de risque.
Ah, c'est bon. J'ai gagné ma course. Franchement, je m'en mets de l'ascenseur. Franchement, c'était vraiment chaud. Voilà. Donc, allez voir ce qu'il y a comme course après, qu'on pourra faire plus tard. Parce que là, j'avais pas mal de vidéos à vous publier. J'ai de l'avance, on va dire. 110 000, là, ça vaut le coup quand même. 110 000, c'est vraiment très bien, je trouve. Je vais faire quitter, du coup, je vais voir ce que j'ai. Ah, ce que ça va être quoi les prochaines catégories si je vous fais des nouvelles vidéos. Ce moi, on va dire que là, ça, je vais le faire tout seul parce que voilà, c'est assez chaud, quoi. Je ne vais pas le faire avec vous, quoi, tout ça, toutes ces courses-là. Après, je pourrais faire au moins Spa Francorchamps que j'aime bien comme circuit. Mais attendez. Voilà, professionnel. Prochaine catégorie, c'est ça. On partira en professionnel. Donc, on a celle-là à faire comme catégorie. Ok. Donc là, ils ne mettent pas de chevaux, limite. Hein. Vous avez vu, voiture, un moteur central. D'accord, qu'est-ce que c'est véhicule? Ah, bah, on peut prendre ça par. C'est quoi la limite de chevaux? Il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de limite de chevaux. Ok. D'accord. En fait, on pourrait prendre des véhicules qu'on veut, quoi. Voyons, voiture centrale, on a. Ah, même les Aventadors, les Ferrari. On a pas mal de choix. La Veyron, on a quand même pas mal de choix. L'Hurricane. La NSX, ça a pas mal. Est-ce qu'elle est dedans? Ah, là, il n'y a pas. Ah, ça peut être pas mal, franchement. Faire quelques courses comme ça avec ces bagnoles-là. Là. Après, c'est quoi ça? C'est. Ah, oui, soleil, ils sont, assez chauds à faire ces courses-là. Soit c'est dur. Bah, c'est dur. Hein. Pour les bonnes bagnoles, ça va normalement. Ouais, par exemple, la Bugatti Veyron, c'est bon, vous larguez toutes les caisses avec celle-là. Hein. Franchement, c'est pas très dur à gagner, quoi. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si vous voulez, porte-toi bien. Peace.